On se retrouve pour l'ouverture du vlog. On est lundi 19 août et il est quasiment 16h30. Je vous fais l'update avant de me lancer dans un nouveau truc. On est à peu près en début de session avec Charlie. Comment va se passer cette semaine? On est sur une semaine plutôt classique, du moins c'est ce que je fais beaucoup en ce moment. Je fais 9h-14h tous les jours sauf mercredi. Voilà. Voilà, ça va être plutôt habituel quoi. Demain je live l'après-midi de 16h à 19h. Il y a juste jeudi où j'ai un rendez-vous médical l'après-midi. Ça va me bouffer un peu l'après, mais comme j'avais pas envie de faire l'aller-retour et qu'il n'y avait pas plus tôt, parce que je finis à 14h et mon rendez-vous doit être à 16h20 je crois. Faut que je revérifie. Donc je pense que ce que je ferais, c'est que j'emmènerais mon ordi et je bosserai peut-être dans la voiture ou un truc comme ça en attendant le rendez-vous. Et j'ai mon rendez-vous à la banque, mon rendez-vous téléphonique de banque samedi matin, parce que je sais pas pourquoi dans le vlog de la semaine dernière je vous ai dit que c'était samedi dernier. Et je crois que je me suis confondue dans les dates, mais non, c'est cette semaine mon rendez-vous téléphonique avec la banque. Je stream le dimanche après-midi pour la lecture commune et peut-être que je verrai ma collègue et amie ce week-end, parce que je crois que normalement elle rentre à Dijon ce week-end. donc potentiellement c'est encore un week-end où je vais un peu sortir. Enfin encore, je suis pas sortie ce week-end-là, donc ça va. niveau objectif, être à jour sur l'alpha lecture, parce que normalement j'ai un chapitre là à lire et peut-être qu'elle me remettra cette semaine d'ailleurs, parce que je crois qu'elle, je me demande si elle m'a pas dit qu'elle en avait deux quasiment prêts ou un, donc il y a moyen que j'ai un peu plus d'alpha lecture cette semaine, et avancer sur la réécriture, et si j'ai un peu de temps avancer sur l'écriture tout court, mais je pense que ça va être encore réécriture, parce que si je veux potentiellement essayer cet appel à texte, il faut charbonner un petit peu quoi. et c'est tout niveau objectif. Ce serait bien que je me remette un peu d'aplomb sur YouTube, donc je vais essayer de tourner une vidéo et de la monter cette semaine quand même, ce serait pas mal. Et d'essayer de prendre de l'avance pour la semaine prochaine. Voilà, sinon niveau réseaux sociaux, je suis quand même bien en ce moment, c'est juste YouTube qui est un peu à l'abandon. Oui, donc là aujourd'hui ce que j'ai fait, donc ce matin j'ai fini de monter le vlog. J'ai programmer mon post Insta de cet après-midi et je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Je crois que j'ai pas eu le temps de faire grand chose de ce matin. Faut dire que les chats étaient très collants, donc du coup à chaque fois j'avais un chat qui venait et qui demandait des câlins, donc j'ai pas autant avancé que ce que j'aurais voulu ce matin avant de partir. Voilà, et là du coup j'ai mis le vlog sur YouTube, enfin j'ai plus qu'à le valider là pour 17h. Et j'ai passé le chapitre 8 dans Antidote. Donc là je vais me mettre vraiment à la réécriture. Donc j'aimerais bien faire au minimum le 12 et le 13. Dans l'idéal. Sachant que ce soir j'aimerais bien, niveau tâches ménagères, passer un coup d'aspirateur
ranger mon linge et il faut que j'arrose mon jardin aussi. Parce qu'il fait moins chaud, ça y est, alléluia, ça fait du bien. D'ailleurs, cette fois, je suis un peu plus maquillée, parce qu'en ce moment, je me maquillais pas, parce que ça coule, ça, avec la chaleur. Et d'ailleurs, d'habitude, j'ai les cheveux déjà attachés tellement j'ai chaud. Mais bon, il pleut pas, là, donc il va falloir que j'arrose quand même un petit coup de jardin ce soir, même s'il y en a un chouï moins besoin. Il est quand même au soleil toute l'après-midi, donc il va en avoir besoin quand même. Donc je suis pas sûre de... Voilà, c'est où je voulais en venir. Je suis pas sûre de continuer trop tard. Mais là, bon, le temps que je finisse l'update, il me restera à peu près une session et demie avec Charlie. Ça se fait, ça se fait. Après, je sais pas si là les chapitres sont gros ou pas, ceux que je veux faire. À voir si j'en fais deux ou si j'en fais trois. Deux et demi peut-être, ce sera déjà pas mal. Mais voilà. Et puis ce sera tout pour aujourd'hui, j'aurai fait tout ce que je voulais faire, donc on sera bien. Niveau lecture, cette semaine, on va être notamment sur L'héritier insoumis de Daniel L. Jensen. Donc ça avance petit à petit. On est à la page 136 au chapitre 24. Il faut aussi que je rattrape mon petit retard. Il est petit, je préfère le préciser. Bon, en même temps, voilà. Sur la lecture commune. Normalement, j'aurais dû être au chapitre 10. J'aurais dû terminer le chapitre 10. Et là, j'ai terminé le chapitre 8. Et donc, cette semaine, il faudra que je sois au 13. Donc, j'ai un petit peu de lecture. Mais dans un sens, c'est pas grave que j'en ai un petit peu. Parce que vraiment, ça va se lire très vite. Donc au moins ça m'évite d'être frustrée en lisant que trois chapitres qui sont minuscules. Donc voilà, j'aurai ça à rattraper. Je pense peut-être que je vais le faire ce soir, comme ça ce sera fait. Parce que comme je suis beaucoup dans l'héritier insoumis, j'ai tendance à oublier que... Elle est la lecture commune. Et puis bah, si j'ai le temps ou la motivation, je vais continuer aussi ma lecture de personnages des points de vue de Orson Scott Card. Il y a une bagnole dans le parking qui fait du bruit, je sais pas ce qu'elle fait. J'espère que vous entendez pas trop dans l'update parce que c'est insupportable. Voilà niveau lecture. Niveau solo date. J'ai l'impression qu'il y en a déjà plus beaucoup. Il faut dire qu'il y en a quelques-uns aussi que j'ai pas fait. Faire une randonnée. Alors, je sais pas quel temps il va faire ce week-end. J'espère que les températures qu'on a en début de semaine vont rester les mêmes jusqu'à... Que ça va continuer comme ça parce que j'ai pas envie qu'il repasse chaud. Voilà, c'est les températures parfaites pour moi. Mais du coup, randonnée, il faut que je me renseigne, que je regarde. Et surtout que je vois si le temps sera avec moi. Et ça dépend aussi... Si je vois ma collègue ou pas samedi. Parce que si je la vois samedi, niveau timing, ça risque d'être un peu compliqué de foutre une rando là-dedans. Forcément, ça dépend de la durée de la randonnée. Bon, forcément, ce sera pas une très grosse parce que ça fait giga longtemps que j'ai pas fait de randonnée. À voir. À voir, à voir. Et recette, j'ai quand même trouvé une petite recette. Je vais essayer de faire des mousses au chocolat blanc. Ça va être sympa ça. Voilà, je pense que je vous ai fait le tour. Je vais aller me mettre au boulot en espérant pouvoir faire minimum de chapitres de réécriture, si ce n'est plus. Bon, évidemment, vous savez, je vais un peu tricher et mettre un peu de copier-coller là-dedans, mais voilà. C'est tout pour cette ouverture de vlog et on se retrouve normalement demain.
On se retrouve pour l'update avec la chaiserie Queen. Et sans doute l'ordi qui fait un peu de bruit parce que je viens de terminer le live. On est mardi 20 et il est quasiment 19h30. On a encore été un peu bavard. je viens de terminer le live. Et encore, on finit moins tard que la semaine dernière. Hier, je vous ai fait l'update quand... Eh bien, je sais plus. Avant de faire ma réécriture, je crois que je venais de finir Antidote et j'allais passer à la réécriture. Donc j'ai fait mes... Je sais plus si j'ai fait un ou deux chapitres hier. J'ai un petit doute. Un tout petit doute. Ouais, j'ai réussi à faire mes deux chapitres hier. Et puis après j'ai été arroser mon jardin. J'ai pas mal parlé avec mon alpha lecteur. Je me suis rendu compte que même dans le tome 1 il manquait encore quelques éléments. Même là dans la réécriture je suis en train de me dire il manque tel truc aussi. Donc ouais, après j'ai été arroser mon jardin, j'ai fait à manger, puis après comme d'habitude repas, puis lecture. Je l'ai mis où sous ma tablette. J'ai du coup avancé ma lecture commune du mariage interdit hier soir. J'ai lu, je crois, alors j'étais au chapitre 9, donc j'ai lu chapitre 9, 10, 11, 12. Donc j'ai lu 4 chapitres. On voit pas. je suis à là. Il me reste pas grand chose. De toute façon, je crois qu'on finissait la lecture commune fin août. J'avais fait quand même large pour que, au cas où, pour les personnes en vacances, qui aient quand même le temps et tout. Donc voilà, donc au moins ça c'est bon, je suis à jour et je vais pas lire plus parce que déjà qu'on fait un read with me en fin de semaine, notamment pour la lecture commune, je vais pas non plus avancer trop parce que sinon je vais le terminer bien avant et voilà, parce que aussi ça se lit bien, donc sinon voilà. Ce matin, avant de partir, d'ailleurs je vais checker sur ma checklist parce que j'aurais rien fait, j'ai préparé mes vidéos du coup, enfin... J'ai pas fini de préparer la vidéo la semaine prochaine, mais c'est les sorties littéraires. Donc j'ai ouvert tous les onglets de livres qui m'intéressaient. Et j'aurais plus qu'à lire les résumés et à sélectionner ce que je garde ou ce que je garde pas. Et puis j'ai plutôt bien préparé la vidéo de cette semaine. Juste, je crois que Goodreads fonctionnait pas. Et comme il y a des trucs qui ne sont pas dans ma bibliothèque physique. Et que potentiellement, par contre, j'ai mis dans Goodreads. Du coup, il faut juste que je compare. Potentiellement avec Goodreads, mais en soi c'est à peu près prêt. Voilà, j'ai passé mon chapitre combien déjà, mon chapitre 9 dans Antidote et c'est tout avant de partir au boulot. Ensuite, en revenant du boulot pile avant le live, j'ai fait la moitié de mon chapitre d'alpha lecture, comme ça je pense que normalement demain je le termine. Et là, je viens de réécrire mon chapitre 14 et 15 et j'ai même commencé le 16. Et pourtant, j'ai galéré à cause de mes timelines, etc. ou de mon contexte historique. Mais du coup, voilà. Et surtout que j'ai ajouté toute une scène, je crois, dans le chapitre 14. Donc je suis quand même contente d'avoir autant avancé. Faut dire que c'était des chapitres où j'avais pas non plus trop de trucs à modifier, mais fallait que je vérifie la cohérence temporelle, etc. J'avais quand même des petits détails à vérifier. Mais du coup, ça a été... Donc voilà, là je viens de terminer le live, il faut que je prépare à manger, bon j'ai prévu un truc rapide donc ça ira. Et il faut que j'arrose mon jardin, et il faut que je rappelle mon amie aussi parce qu'elle a essayé de m'appeler pendant le live, donc je vais voir avec elle si elle est dispo. Voilà, donc là ça va être repas, démaquillage, appel, arrosage, et voilà. Et de toute façon, comme d'habitude, là de toute façon je suis HS parce qu'en plus j'ai pas super bien dormi cette nuit, j'avais des maux de ventre. Et comme d'hab, je rêve du travail en ce moment. Donc voilà, et là je recommence à avoir mal au ventre en plus. Donc entre le fait que j'ai quand même fait pas mal de trucs, qu'il est déjà 19h30, etc. Donc c'est sûr que je ferai rien de plus ce soir, ça va être lecture. Et je pense même que je vais pas lire beaucoup. Et pourtant demain je peux me lever entre guillemets un peu plus tard. Je prends qu'à 11h. Mais je pense que ça va quand même être couché tôt ce soir. voilà, donc... Ce soir, clairement, j'aurai pas le temps de faire la recette. Le solo date, je crois que j'ai regardé la météo pour samedi. Et je crois que c'est
pas dégueu, mais il fait chaud. Donc à voir, et surtout que bah voilà, j'attendais aussi d'avoir des nouvelles de ma collègue, voir si on se voyait ou pas, vendredi, samedi ou dimanche. Donc voilà, c'est tout pour cet update, je pense que je vous ai tout dit. Je vais aller me préparer à manger et faire tout ce que j'ai à faire quoi. Bienvenue pour cet update, il sera normalement rapide parce que j'ai pas tant fait que ça aujourd'hui. Donc on est mercredi 21 août et il doit être... ouais, il est 19h30 passé. Hier je vous ai fait l'update après mon live, donc j'avais fini de travailler. J'ai lu... J'ai pas tant lu que ça... Donc déjà, voilà. Je me suis arrêtée à la page 159, chapitre 27. Et du coup, bah, ça m'a fait lire à peine plus de 20 pages. J'étais à 136, je crois. Donc voilà. Ça avance toujours aussi doucement, mais ça avance. Et j'aime bien l'histoire, même si je trouve que l'attirance entre les deux personnages va un poil vite. Ça me dérange pas totalement, mais du coup, j'ai été un peu surprise. Disons. Voilà. Ce matin, avant d'aller au boulot, du coup, j'ai fait. J'ai fini mon chapitre alpha lecture. J'ai fini de préparer mes vidéos et je les ai tournées. J'ai passé mon chapitre 9. C'était le 9 ou le 10? J'ai déjà plus. Chapitre 10. Dans Antidote. Et c'est tout ce que j'ai fait avant de partir. Et là en rentrant du coup j'ai pas fait grand chose. Enfin il manquait quelques petits trucs sur le chapitre 10 que j'avais pas fait, donc j'ai fini. Et puis pile au moment où j'ai voulu commencer à réécrire, j'ai eu l'appel de ma collègue. Parce que du coup hier on n'avait pas réussi à savoir. Parce que du coup comme j'étais en live et tout, j'ai pas pu lui répondre. Et après le soir on n'a pas pu se rappeler.
Donc du coup bah là je lui avais dit bah appelle-moi à partir de cette heure-là. Et donc elle m'a appelé à 17h puis on est resté au téléphone, enfin un peu après 17h mais voilà. Et on est resté au téléphone bah là jusqu'à à peu près cette heure-là, on vient de raccrocher. Donc du coup j'ai pas beaucoup bossé et en plus du coup je m'étais mis chapitre 16 et 17 à réécrire. Mais je vais rajouter des scènes pour approfondir ma romance. Et donc du coup bah, je vais pas être sur le 16 et le 17. De base j'ai voulu faire un nouveau chapitre 17. Finalement, je pense que je vais déjà rajouter une scène à la fin du chapitre 15. Ça va, il est pas trop trop gros mon chapitre 15 et la fin elle me plaisait pas trop donc. Enfin, en enlevant un bout qui faisait la transition avec le 16 initial, ça faisait bizarre donc du coup je me suis dit bon, c'est la bonne place pour cette autre scène. Et puis voilà. Mais du coup, j'ai pas fait. J'ai pas beaucoup avancé sur ma réécriture là. Et je suis un peu naze et puis bah, il est déjà un peu tard, donc je pense que je vais pas bosser ce soir, mais je vais bien me lever tôt demain, comme ça je vais pouvoir bien avancer, etc. J'ai rien prévu demain, donc je vais pouvoir avancer. Enfin, je travaille de 9h à 14h, quoi, donc déjà aussi le format de la journée est plus facile, puisque ben là, 11h-16h, ça me coupait ma journée, clairement. Donc ça a pas aidé. Donc en plus, le temps un peu de manger un petit truc, j'ai pas vraiment fait de repas, parce que bah, à 17h, enfin, presque 17h, faire un repas, c'était. Voilà, donc j'ai grignoté très concrètement. Voilà. Donc, je me trouve pas l'excuse, mais bon. Puis, pour moi, c'est important quand même de garder des nouvelles de ma collègue, comme ça se passe pas forcément bien de son côté. Voilà. C'est tout du coup pour cet update. Techniquement, là, je vais aller manger. Et puis, ça va être lecture. Et puis, voilà, on va se coucher pas trop tard pour être en pleine forme demain et bien carburé. Ça me paraît bien. Ah oui, et en plus demain, j'ai mon rendez-vous médical. Je viens de taper. Si. En plus, quand j'ai dit j'ai rien de prévu demain, dans ma tête, en arrière-plan, vous savez, le petit truc de. J'ai l'impression que si, mais je sais plus quoi. Les signaux d'alarme, ils sont pas là pour rien. Donc si, j'ai mon rendez-vous médical quand même. Je croyais qu'il était. J'étais persuadée qu'il était à 16h, il est à 15h20. Donc déjà, ça va quand même me faire rentrer plus tôt. Donc je finis à 14h. Le temps. Le petit temps pour rejoindre du coup les environs de mon rendez-vous. Je pense que ce sera du 14h30. Et donc je vais avoir allez, 45 minutes dans la voiture pour bosser. Donc faut juste bien que je pense à prendre mon ordi demain. Mais comme ça, voilà. Comme ça, je bosserai quand même un petit peu. Je vais pas perdre du temps. Et puis je voulais pas faire l'aller-retour juste chez moi pour 1h20. Par contre, je suis en train de me dire qu'il faut que je me prenne un repas. Ouais. J'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé au fait que j'avais pas de pause repas au boulot. Il faut que je vois s'il y a quelque chose que je peux emmener en. Qui a pas besoin d'être réchauffé. Mais voilà. Du coup, même si j'ai mon rendez-vous médical, normalement, je devrais pouvoir faire en sorte d'être quand même plutôt efficace. J'espère, je pense. Voilà, c'est tout pour cet update. Thank you.
Hello, on se retrouve pour l'update avec la chaise qui grince toujours. On est jeudi 22 août et il est 17h44 et j'ai clairement pas bossé autant que j'aurais pensé. Du coup, hier soir j'ai lu. Je ne sais plus. J'ai pas lu beaucoup parce que je crois que j'étais à la page 100. Ah non, j'étais peut-être à 159. Donc si ça va, bah, j'ai presque lu une trentaine de pages puisque je suis au chapitre 31, page 184. J'ai l'impression que c'est à peu près mon rythme, 20-25 pages par soir. Ce qui est pas mal, mais on voit pas là. J'en suis là. Là. Donc ça avance toujours aussi doucement, mais ça avance. Ensuite, avant de lire, je me suis motivée à faire ma vaisselle parce que de base je devais la faire dans la journée, je ne l'ai pas faite. Ce matin, j'ai fait mon montage. J'ai commencé Antidote sur mon chapitre 11. Et je crois que c'est tout ce que j'ai fait avant de partir. Le réveil a été un peu dur ce matin, donc j'ai eu un peu de mal à démarrer. Et puis, du coup, finalement, j'avais emmené mon ordinateur, etc., pour en attendant mon rendez-vous. Mais en fait, donc je suis arrivée, donc mon rendez-vous était à 15h20, je suis arrivée là-bas, enfin sur le parking à 14h40 quasiment. Et du coup, le temps de manger. Bon, je mange vite, hein, mais donc c'est pas ça le souci, mais c'est que du coup, il me restait, allez, 10-15 minutes, sachant que j'aime bien être. Enfin, 10-15 minutes en comptant l'avance pour aller au rendez-vous. Et donc, du coup, j'ai pas eu la foi. En plus, il faisait chaud dans la voiture et j'ai pas spécialement vu d'endroit où je pouvais me mettre en dehors de la voiture en attendant. Puisque c'est un peu dans un endroit d'immeuble et tout, d'habitation. Donc, du coup, bah, j'ai juste digéré, on va dire. Et du coup, ça m'a fait rentrer. Donc, elle était à l'heure, ça c'est cool. Ça m'a fait rentrer vers 16h15, donc le temps de me changer, de donner un peu de croquettes au chat, de me faire un matcha. J'ai commencé vers 16h15 et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à me concentrer. Je pense que ben. J'ai déjà dû le dire dans les vlogs, mais moi il faut que ça m'enchaîne. Et si je prends trop de temps de pause, c'est dur. Et c'était dur du coup, parce que ben, je pense que ça m'a fait un creux, cette attente pour le rendez-vous. Et du coup, ben, c'était dur de s'y remettre. Comme en plus, c'était encore un rendez-vous médical où j'ai pas eu forcément les réponses que j'aurais aimé entendre, mais je sais que j'aurai jamais les réponses que j'aimerais entendre. Du coup, je pense que ça n'a pas aidé non plus. Je suis pas démoralisée complètement, c'est juste. Vous savez, genre, en mode. Je sais pas à quoi je m'attendais parce que je sais qu'il y a. On peut rien y faire. Mais c'est vrai que du coup, bon. Voilà quoi, un peu blasée. En plus, c'était une remplaçante, donc c'était pas ma médecin de base. Déjà que j'ai vu que cette médecin-là qu'une fois, que du coup, celle-là, je savais pas si elle était spécialisée ou pas là-dedans, là où je sais que ben la médecin de base elle y est normalement. Du coup, non seulement j'étais pas à l'aise, en plus elle avait pas l'air trop prête à m'écouter, etc. cette médecin là, donc bref, pas l'idéal. Bon, au moins on va dire que j'ai ce qu'il faut pour l'instant. Donc voilà, donc c'était un peu dur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini du coup mon chapitre 11 sur Antidote. Et j'ai fini du coup le petit bout que j'ai rajouté dans le chapitre 15. Du coup, le chapitre 16 sera vraiment un nouveau chapitre puisque je sais déjà que je vais poursuivre en fait la scène que j'ai fait s'arrêter dans le chapitre 15. Mais j'ai pas commencé le chapitre 16. J'ai juste fini le chapitre 15, ça m'a pas fait tant de boucs ça. Hein. Trois cent quarante et un mots.
Et là, j'arrive vraiment plus à me concentrer. Donc je vais tout simplement m'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui. Peut-être que je vais me mettre avec la tablette, soit sur de la préparation de contenu, soit sur mes recherches pour le tome 2, ou sur mon nouveau projet au niveau des recherches aussi. Mais là, j'avoue que j'arrive plus en fait. J'arrive plus. Je pense qu'il y a de la fatigue. En plus, encore une fois, je me suis un peu pris la tête au boulot. Donc ça n'aide pas. Et je crois que la semaine, elle devient longue, là, encore une fois. Les semaines sont longues en ce moment, mais parce que justement, comme l'équipe est très récente, il y a beaucoup de choses qui sont pas totalement faites, pas faites jusqu'au bout. Pas bien faite ou on me refile des choses carrément. Et donc voilà, si j'étais chef de réception et que j'avais le salaire qui venait avec et les compétences qui venaient avec, avec grand plaisir, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, ça me fait des choses en plus à penser, de la fatigue en plus, que ce soit physique ou émotionnel, etc. Donc, comment dire que ça commence à faire beaucoup en ce moment et que j'ai très très hâte que ma collègue revienne. Donc bon, voilà. Donc, mais bon, d'ici 2-3 semaines, je suis en vacances, donc il va me rester 2 semaines. Une fois que je serai en re... enfin, une fois que j'aurai fini cette semaine, il va me rester pile 2 semaines. Là, vous savez même pas à quel point, rien que savoir ça, ça fait du bien. J'ai qu'une semaine en septembre, mais ça me fera du bien quand même. Et j'ai gardé encore une autre semaine pour la période entre octobre et avril. Je sais pas encore quand est-ce que je la caserai, mais du coup, voilà. Ça va faire du bien. Voilà, c'est tout. Donc, comme je vous ai dit, je vais faire mes petites recherches ou me mettre sur de la préparation de contenu. Comme ça, j'ai pas trop besoin de me concentrer. Je vais être productive sans avoir besoin de trop utiliser mon cerveau. Puis après, ce sera repas et lecture. Voilà. Ce sera très bien comme ça. On verra demain. J'espère que j'arriverai un peu plus à bosser. Au moins un petit peu l'après-midi, quoi. Quitte à. Parce que j'ai plus d'alpha lecture puisque je l'ai terminé. J'ai juste à préparer mes. Ce que je vais faire peut-être. C'est que là, je vais me motiver à parce que c'est quelque chose qui ne demande pas trop d'attention entre guillemets. Je sais plus ce que j'ai prévu en post Insta pour demain, mais je vais préparer ma vidéo, enfin la programmer, parce que de toute façon, elle est montée. Donc, elle est montée et exportée, donc j'ai plus qu'à l'upload sur YouTube, mettre les détails, etc. Je vais me programmer ma vidéo, je vais programmer mon post Instagram de demain, le TikTok pour demain. Et déjà tourné, j'aurais plus qu'à le poster, parce qu'en plus j'ai pas vraiment de légende à mettre pour celui-là, enfin de... Enfin, j'ai pas spécialement mon montage à faire pour celui-là, normalement. Donc ça peut se faire au pire demain, sur le trajet du bus. Donc voilà, je vais faire ça, comme ça au moins ça c'est fait, et ça m'enlève ça demain, et demain je peux vraiment me mettre à 100% sur mon roman, du coup. Comme j'aurais fait quasiment tout ce qui était création de contenu. Voilà, et que du coup le TikTok je le fais dans le bus. Voilà, ça me paraît pas mal. Comme ça, je me dis là au moins je me bouge pour faire ça, et après je me mets dans le canapé devant mon animé avec ma tablette pour voilà, faire les derniers trucs que j'ai à faire, enfin faire des petits trucs quand même. Et comme ça, voilà, comme ça on compense, même si j'ai pas la concentration nécessaire pour continuer ma réécriture, au moins je fais autre chose. Voilà, c'est tout pour cette update qui devient bien trop long. Je vais aller me mettre au boulot avant de perdre la motivation. Thank you.
On se retrouve pour la clôture du vlog. On est dimanche 25 août et il est presque 16h. Je vous fais l'update vraiment juste avant de lancer mon live. C'est risqué, oui. Comment s'est passée cette semaine? J'ai pas eu l'impression d'être si productive que ça. Je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer en fin de semaine. Mercredi, jeudi, vendredi, c'était un peu galère. Bon, mercredi, j'ai passé beaucoup de temps avec mon ami au téléphone. Donc voilà, plus 11h-16h. Jeudi, je pense que le rendez-vous médical, pareil, ça a cassé ma dynamique du jour. Je me trouve pas d'excuses, mais ça m'a pas aidé et je le sais. Et vendredi, non, j'ai été un peu plus productive. J'ai réussi à bien avancer mon nouveau chapitre 16. Alors, je l'ai pas fini du tout, mais j'ai fait, je pense, une bonne moitié. Et du coup ce week-end en plus j'ai cogité sur mon tome 1, donc je me suis dit que j'allais rajouter plus de scènes même que ce que je pensais. Juste il faut que j'organise un peu ça, que je revois quand, demain quand je me remettrai dedans, comment je vais goupiller ça. Mais je vais rajouter des scènes, ça c'est sûr. Et après ça, si on me dit que ma romance va toujours trop vite, je ne sais plus quoi faire. Donc au niveau de mes objectifs... Donc je suis à jour sur mon alpha lecture, c'est bon, et finalement elle m'a pas renvoyé pour l'instant de chapitre, donc je suis à jour officiellement. J'ai réécrit, mais bon, qu'on soit honnête, qu'on soit clair, il me reste à peine une semaine là pour ce potentiel, enfin cet appel à texte,
potentiellement y participer. Je suis au chapitre 16, même pas terminé, et en plus un nouveau chapitre 16 sur 46, sachant que je vais rajouter des scènes. Donc on est sûr là déjà que en fait que c'est mort pour l'appel à texte, et c'est pas grave parce qu'en soi je me dis dans tous les cas ça m'a motivé à déclencher, à commencer ma réécriture, donc c'est pas grave en soi, ça m'aura lancé dedans. Bon, après, du coup j'ai un peu mis de côté mes autres projets à cause de ça, entre gros guillemets, mais c'est pas si grave, de toute façon fallait que je me lance à un moment donné dans la réécriture, donc au moins c'est fait, c'est commencé, et je pense que je vais continuer sur ma lancée pour que ce soit fait. Voilà. Peut-être que je me mettrai un quota plus bas, du coup, comme j'ai pas d'objectif temporel, et comme ça je reprendrai aussi l'écriture de mes premiers jets. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine on va faire comme ça, puisque je pense clairement que c'est fichu, je pourrais pas faire plus, enfin une trentaine de chapitres, plus de nouvelles scènes, c'est irréel en fait, c'est genre, c'est pas faisable. C'est pas faisable. Et je ne compte pas sacrifier des heures de sommeil ou quoi que ce soit pour terminer entre guillemets dans les temps. C'était même pas de base une maison d'édition que je connaissais, donc que j'envisageais. Donc c'était cool si je pouvais y participer. Là je ne vais pas pouvoir et vraiment c'est ok. Voilà. Donc là du coup oui, comme je vous ai dit, je suis sur le nouveau chapitre 16. Sur du coup potentiellement au moins 47 maintenant. Minimum. et quand même par contre j'ai je me suis remise correctement sur YouTube. J'ai tourné ma vidéo de la semaine plus la vidéo d'avance. Et voilà. Juste niveau réseaux sociaux, j'ai pas fait mon post Insta correctrice. Sinon, j'ai tout fait, je crois, cette semaine, il me semble. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je crois que mon mode normal en caméra arrière sur mon téléphone ne filme plus correctement, du moins il ne fait plus focus. Donc j'ai changé le mode pour filmer, avec lequel du coup j'ai réussi à avoir du focus, je ne sais pas pourquoi. Et donc c'est normal si vous voyez une petite différence à partir des, je crois, trois quarts du vlog. Ça fait un plus grand angle. Et en fait je crois que limite c'est mieux. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais du coup ça fait un changement, mais je le trouve bien un changement, je crois. Voilà. Donc je pense clairement que mon téléphone va petit à petit m'abandonner. Mais bon, j'ai trouvé une alternative pour quand même filmer de manière un minimum qualitative, mais du coup ce sera normal si vous voyez une différence. C'est tout je crois. Ah oui, non, enfin, niveau objectif globalement c'est tout. Niveau lecture, donc il faut que je revérifie, mais normalement je suis à jour et j'ai un chapitre d'avance pour la lecture commune. Justement du coup on va se mettre en live juste après pour la lecture commune. Normalement ça va être quasiment la dernière semaine il me semble, faut que je revérifie, mais je crois que c'était ça. Donc à mon avis je vais le finir aujourd'hui. Et du coup j'ai un petit peu lu quand même aussi L'héritier insoumis. Bon j'avance doucement hein, ça se voit. Mais bon. Là je suis à la page 205, je sais pas combien il y en a d'ailleurs. Je vais essayer de pas me spoiler. 549. Donc je suis presque à la moitié. Ouais je suis à un tiers. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Pour l'instant j'aime toujours autant, même si je suis pas sûre encore d'adhérer complètement à la romance, comme elle va vite. Je n'ai pas fait mon solo date du coup, puisque du coup finalement j'ai pas vu ma pote ce week-end. Elle a finalement pas pu descendre à Dijon, mais en fait je suis allée voir ma mère par contre. Comme il fallait que eux ils fassent du tri dans leur garage
pour un vide-grenier la semaine prochaine, il fallait que moi aussi je vienne faire du tri parce qu'il me restait quelques petites babioles en fait que j'avais laissées chez ma mère. Et je pensais que j'en avais laissé beaucoup plus, alors que non. Donc ça a été très rapide, mais finalement on a pas mal popoté avec ma maman. Et donc je suis rentrée quasiment vers 19h30-20h chez moi, samedi. Et donc voilà, la randonnée, c'était mort. Mais de toute façon, c'est pour ça que quand on a planifié ça avec ma mère, quand on a dit que je passerais samedi après-midi, je savais que ça servait à rien de prévoir une randonnée. J'ai pas cherché parce que je savais que j'aurais pas le temps. Et je voulais quand même essayer de faire une randonnée le soir seule. Je pense que ça se comprendra. samedi matin, j'ai fait Marcette. J'ai un peu cafouillé parce que j'ai clairement raté mes blancs en neige. Donc la texture est pas idéale, mais le goût est là. Donc je pense que je retesterai la recette un peu mieux. D'ailleurs, j'ai mal fait fondre mon chocolat blanc. Donc pareil, du coup, ça, au niveau de la texture, c'est pas non plus idéal. Mais je pense que c'est à refaire avec, voilà, avec les bonnes choses correctement, entre guillemets. Et éventuellement avec un petit ajout de fruits. Je pense que ce sera vraiment parfait. Genre des petites fraises au-dessus. Là, j'avais rien mis en topping, mais franchement avec des petites fraises ça serait parfait. Et puis voilà, je crois que c'est bon, j'ai fait le tour. Donc c'est tout pour ce vlog. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain vlog, et je vous fais des bisous. Ciao.